D'une fille de Lukango, dans les territoires de Katanda au Kasaï oriental, Godlive Elisabeth Longibandekela a communié ce mercredi 22 février avec ses frères et sœurs de Katanda vivant en Boujmaï. La rencontre a eu lieu dans la commune de la Kanchi quelques heures après l'arrivée sur la ville de celle qui porte dans son cœur son territoire d'origine. À son arrivée au lieu de la communion, Godelive Elisabeth Longy a eu droit à une ovation princière, chaudes accolades avec ses ongles, tantes, cousines, sœurs et frères, un moment unique qu'elle a savouré, sourire aux lèvres. Prenant la parole pour la circonstance, elle a dit toute sa joie de ses retrouvailles et a réitéré son attachement et son amour au territoire de Katanda. Godelive Elisabeth Longy a prêché la paix à ses frères et sœurs, seul gage du développement de cette contrée du Kasaï oriental, riche en sol et en sous-sol. Elle les a ensuite invités à s'enrôler massivement pour élire le moment venu des personnes compétentes et remplies de bonne volonté pour aider Katanda et ses enfants. Ce jeudi 23 février, Godelive Elisabeth Longy Bandekela sera à Lukango dans les territoires de Katanda pour se faire enrôler. Bien,